Bonjour YouTube, petite VOD, il nous reste que deux succès à débloquer sur Domekeeper, enfin pour l'instant, hein, pour la version qui est sortie cette semaine, quoi, la 1.0, la 41.2. Et du coup, apparemment... Non, je veux pas faire un prestige. Apparemment, j'ai un succès qui consiste à mourir 10 fois, et je suis pas encore mort 10 fois parce qu'on s'est trop bien débrouillé sur le jeu. Et ensuite, on a un succès où va falloir aller très vite, il va falloir que le personnage soit très rapide. Hein. On va lancer une petite, vous l'aurez voulu, petite, hein, histoire de voir à combien de morts j'en suis. Débloquer mon petit succès et juste après on se lance une run où le but ça va être d'améliorer la vitesse du personnage à balle. Hein. Mais là pour l'instant je vais juste faire exprès de mourir. Je sais pas combien de fois j'ai perdu dans la game. Hein. Je pense que j'ai dû perdre quoi hein. En vous l'aurez voulu de toute façon j'ai bien fait 2-3 tries où je suis mort. J'ai dû faire des tries difficiles où je suis mort aussi. Il y a des runs prestige que j'ai perdu. Je pense que je suis mort 6-7 fois à vrai dire. Il a l'air trop bien Nightwitch il va être vraiment pas mal ouais. Prise d'otage incoming. Enfin ça va j'ai pas grand chose à faire hein. On est juste à la chasse au succès hein. Ça fait longtemps que j'avais pas voulu genre vraiment le 100% succès sur un jeu. Mais Domekeeper c'est obligatoire quoi. J'ai pas eu de soucis avec ma manette non. Alors Run Prestige si je la lance je suis là jusqu'à 3h du mat. Donc c'est mort. Les runs prestige, faut les lancer et savoir que t'as du temps devant toi là. J'ai pas le temps pour une run prestige. Vas-y, tuez-moi là. Tuez-moi mon dôme. Attends, mais une run, vous l'aurez voulu, y'a que lui là. Ah, c'est vrai que je vois pas ma vie du coup. Ça va. Oh ouais, y'a que lui, OMG. Go lui fumer sa tête là, il va pas me tuer assez rapidement. Plein. 5 morts plus tard, mince, j'ai pas eu de succès. Non mais j'ai pas eu ce succès là, c'est sûr. Il manque que les succès cachés, 10 morts et la vitesse. J'aimerais bien Ground Dead. Ground Dead, j'y jouerai sûrement. Hein. Ça a l'air rigolo, mais faut que je mette le mode arachnophobie et puis faut qu'on soit plusieurs quoi. Alors, on vous l'aurait voulu, ça va vite. Hein. En vrai, les ennemis, ils arrivent tellement vite. Tu peux le laisser taper, faire ta vie en bas. Oh, mais j'ai rien à faire, là. À part perdre la game, j'ai rien à faire du tout. On a été trop bons sur le jeu, on n'est jamais mort, en fait. Là, ils sont deux, ils vont me fumer, là. Ouais. Allez-y, tapez, allez-y, bourrez le dôme. Hein. Merci, Duf, pour le prime. Hein. Bon, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est genre mettre les changements là. Merci Fonor pour les 6 mois. J'aurais dû prendre avec Verger. Boum. Boum. Ah c'est vrai que j'ai mis le bouclier donc à chaque fois il tape dans le bouclier au départ. Protège pas mon dôme là. Je remplis pas ma mission. Après je joue mieux, perds mieux. Bah oui. C'est comme les succès des 100 morts dans Isaac en fait. Le succès des ciseaux là. Jamais tu le débloques en fait. Quand tu connais le jeu. Oh non, j'ai lose! Merci monsieur Wendy TV pour le raid, des bisous. On n'a pas nos stats quelque part. Hein. Merci beaucoup pour le raid, je ne sais pas ce que vous faisiez, mais bienvenue. C'est quoi? Cycle long, dédale, rapide et faible. Les monstres sont bien plus rapides, mais ils ont moins de santé. Cycle long, vous disposez deux fois plus de temps entre les vagues, mais celles-ci sont plus puissantes. Deux fois plus de temps entre les vagues. Non mais on s'en fout, vas-y. On était dans le dôme, ah. Moi le dôme là, je vais chercher mes deux derniers succès. J'ai un peu bourré le jeu, hein. Je dois être à bientôt 22h, je sais plus. 20h, 22h, on verra combien de temps on a mis quand j'aurai tous les succès, j'irai voir. Après j'ai fait la chasse au succès, je vais pas mentir. J'avoue que quand j'ai vu que le jeu me plaisait, je suis parti en mode tunnel vision des succès. OMG, les golds, allô? Allô, les ressources, c'est quand? Bravo. Bravo, bravo. Il
pas une prise d'otage et il va try 10 morts. Mais je suis déjà mort plein de fois, genre 5, 6, 7 fois, je sais plus. Vous inquiétez pas. Hein. Ça va bien se passer. Vous vouliez Dome Keeper, vous l'avez eu. Oh, les dégâts négatifs, OMG. Je sais pas si les ennemis, en vous l'aurez voulu, ils ont plus de points de vie ou pas. Ah, Eternal Noctis, ouais, moi j'avais pas kiffé de ouf. Hein. Le nom est marrant, mais le jeu en soi, je l'ai pas bien aimé. Ah si, tu fais fatigue pour le Rosemat Prime. Là, l'objectif, c'est de débloquer le succès que j'ai pas sur les morts. Hein. Faut que je meure 10 fois. Et je pense que je suis mort 8 fois. En fait, faut savoir si les morts en prestige comptent ou pas. Parce que si c'est le cas, je pense qu'on est bien à 8, ouais. Le tunnel vision, le creusage, là. Tapez, tapez. Ah oui, ils tapent de plus en plus vite, en plus. Bam, bam. Ah, mais ils font pas très mal, par contre, comparé aux ennemis qui mettent leur tête dans le dôme. Waouh. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. So long. Bah voilà, j'ai eu le succès. Apprentissage. J'étais pas à 8 morts, j'étais à 9 en fait. Très bien. Retour au menu principal. Du coup, maintenant, il me reste le succès. Où faut qu'on ait une vitesse de dingus. Donc on va jouer le verger pour avoir le fruit qui donne de la vitesse. On va jouer petit dôme épée. Tiens, ça fait longtemps. Dôme épée. Chasse à la relique, bien sûr. Verger. Il nous faudra l'ascenseur. Il nous faudra sûrement trouver le fruit qui donne... le fruit de vitesse va être donné par le verger, mais trouver l'œil. Puis voilà quoi. On va se partir sur une map en grande. Hein, et on va jouer en... Un petit difficile, je sais pas. Petit difficile. Let's go faire une vraie run. Hein. Merci Marmotte pour les 41 mois de prime. Hein. L'alternative à chasse à la relique, c'est le mode prestige qui est un mode infini de scoring. Hein. Mais qui est très compliqué parce que tu dois gérer tes ressources pour faire des points et c'est chaud. J'ai pas testé Fountains, non. Bienvenue! Allez, c'est parti. Succès, vitesse. On est là pour la vitesse. Quitte à perdre, pas grave. Prendre la force de frappe directement. Je vais voir s'il n'y a pas l'OST sur Spotify. Hein. J'en rêve un peu de la musique, on va pas se mentir. Hein. Pas de soucis, hein. Endormez-vous sur les VOD, c'est fait pour. Hein. Allez-y, c'est gratuit. Hein. Oui, monsieur. C'est tout. Bon, je vais nettoyer pour l'instant un peu. Toujours du bien de nettoyer par chez nous. Bon, ça, 3 balles seulement, là. Ah ouais, j'ai v'là le temps, OMG. Remets-moi des petits golds là pour voir. Ah non. Vite, 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 vite. Oh non, pas lui. On va prendre le meilleur tranchant instant en vrai. Hop. Et c'est le one shot. Ça dégage. Allez, ciao. Ton passage préféré, c'est l'hommage à Zelda. Mon passage préféré de l'OST, c'est l'hommage au JDG. Le fameux hommage.
Oui. Oui, monsieur, oui. Eh bien, on a fait des beaux tunnels. L'hommage à Yannick Kremer, exactement. Oh, mais c'est que j'ai mon frulos de disponible, là. Ça donne envie de partir en frulos, là. Petit frulos. Attends, du coup, j'ai 7 balles. Coup des stocks renforcés, portée 1500. Moi, j'aime bien le coup des stocks rapides. J'ai jamais joué ça, la bombe super explosive, la bombe d'épée montée, dégâts de la bombe. C'est quoi ça? Dégâts des coups des stocks 40 versus 10, mais portée, vitesse de rétractation, extension de la réutilisation, augmente la taille des pointes de flèche. Je vais tester ça, tiens, pour une fois. Allez, petit fruit, là. Ça, je m'en doutais, hein. Il y a toujours un petit peu de cobalt pas loin du start. Ce sera 3 cobalt, hein. Merci beaucoup. Ok. Pour 2 balles, on n'a rien de spécial à prendre. Hein. Battons-nous. Ah si, j'ai des caténies pour les 6 mois. Combien? C'est injouable ce talent des stocks? On va voir. Hein. Au moins, ça fait du dégât en early. Hein. Oh, et les murs horribles, là. C'est bon, non? Merci, le gadget. Ah, si on peut avoir le monte charge en early game, pour une fois, ce serait rigolo. Condensateur aussi, là. Pray for Creuse-tout. Mais Creuse-tout, c'est vraiment le pire talent. Je suis désolé, genre, c'est même pas une question de rigoler ou quoi. Creuse-tout est nul. Hein. Convertisseur de ressources, en vrai, c'est si fort. On peut jouer à mon charge early game, hein, je le fais jamais. Juste, c'est pas grave, hein. Il a le droit d'avoir des trucs nuls, mais Creuse-tout est nul, quoi. Il coûte trop cher. Et en fait, tout ce qui va te trouver en ressources, malheureusement, ça sert à rien, parce que quand tu trouves des ressources, toi, t'as investi dans Creuse-tout, du coup, ton personnage, il creuse moins vite. Et du coup, à chaque fois, tu perds du temps à creuser ce que Creuse-tout a trouvé. Enfin, c'est nul, quoi. C'est pas grave. Il est nul à chier. Voilà. Putain, j'ai 7, évidemment. Évidemment, 7. Hein. Bien sûr, 7. Prendre la vitesse du perso parce que c'est triste, là. Pire que la bombe. Les deux sont moins bons que le reste, je pense. C'est les deux pires talents du jeu, à mon avis, Imo. J'ai toujours pas trouvé d'eau. Ah si, j'ai trouvé de l'eau. Du coup, il me faut ça. Vitesse dans le téléporteur, bien sûr. Succès de 100 ressources, je l'ai déjà. Mais je suis un connard. Mais je suis une merde, hein. Les cartes magiques Transformers. Non, j'ai pas vu. Mais là, on va ouvrir des cartes magiques bientôt. J'ai même réussi à trouver une OP. Ça va être incroyable. On va ouvrir un set en étant sponsor. Je suis trop content. Hop, 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 hop. Ramène les gold là, ramène les gold à la maison là. Genre des displays gratos. Non, genre j'ouvre des cartes et je suis payé pour le faire quoi. Je prends le frulos, hop. Ah, le JDG. Prononce mal faire. Euh,
Va vite me falloir de la puissance de creusage. Parfait. Ce qui est chiant, c'est que la vitesse du coup des stocks est pas rapide du tout, quoi. C'est tellement what the fuck, ça. Les vérifications s'imposaient. Alors, on prend tout ça. Évidemment, c'est lourd. Bon, allez, fais-le en deux fois, là, parce que j'ai bien compris que ça posait problème de ramasser tout ça, apparemment. C'est parti pour creuser, c'est parti pour le show, là. Le monde est chaud, là. La taille de la map, c'est petit. Non, j'ai mis du grand, là. J'ai mis grand, difficile. Comme ça, on a plein de ressources et on peut essayer le succès full vitesse, qui est le dernier succès qui me manque de tout le jeu. Donc, beaucoup de plaisir. Eh bah, finally, quoi. Un. Pas deux, hein. Pas trois, un. Allez. Les datari feront l'affaire, quoi. Ils ne feront pas l'affaire. Alors, avec de l'eau, on va prendre les orbes qui se déplacent plus vite, je pense. On va prendre une orbe supplémentaire dès qu'on aura un de flotte en plus. Et en attendant, battons-nous, quoi. Hein ? Oh ouais, mais c'est vraiment de la bite ce coup des stocks comparé à l'autre, quoi. C'est genre globalement moins bon, quoi. Ça part sur quoi cette run? Vitesse. On veut débloquer notre dernier succès ever pour avoir le 100% succès. Et pour ça, il me faut de la vitesse. Pas ever pour l'instant, hein. Oh là là, mais comment je me mets bien sur les ressources, là? C'est pas le mode prestige, hein. C'est du creuse tout tiers, les stocks. On semble bien. Pour l'instant, l'ascenseur est pas très efficace, on va pas se mentir. Hein. J'ai pas pris mon frulos non plus, quel débile. Ah ça, je ramène ça. Je ramène avec un peu de gold. Allez, c'est parti. Viens par là. 1, 2, 3. J'ai envie de remonter tout ça là. Une boule. Les deux boules. Hop. Les deux boules. Et pour 8 balles. Pour 8 balles, on va prendre de la speed ou du ramassage. On pourrait même économiser pour du forage. Ouais. Je pense que rune d'écho. Pourquoi des fois, eux, je les one shot et des fois, non. Je comprends pas. Faire quoi pour avoir le succès? Faut globalement atteindre une vitesse de fou, donc on va l'atteindre avec l'ascenseur plus le verger, plus le fruit que tu peux trouver, enfin l'œuf que tu peux trouver aléatoirement là dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Pourquoi ça va par là?
La gueule de la map, quoi. Faut que j'en profite pour creuser, j'ai le fruit quand même. Succès de survivre à une vague ennemie avec un HP, ouais. Ah, je vous dis, j'ai vraiment, il m'en reste qu'un. Oh oui, ça. Bon, juste à côté de l'ascenseur, ça régale un peu là. Combien j'ai 18 balles. Combien? Est-ce qu'on joue la lourde lame? Genre vraiment pour aller à l'encontre de tout ce que je fais d'habitude. Ou des stocks renforcés sinon. Avec genre... de la vitesse. J'ai combien de cobalt? 5. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est rigolo quand même. Parce qu'il met du temps à se recharger. Ah ouais, mais ça fait du damage par contre. What the fuck. Ça picote les gencives genre hein. Je creuse un peu là. Fou, j'ai chaud hein. Creuse tout poggers. Putain mais vous l'aimez trop hein. Vous êtes trop fan de creuse merde hein. C'est grave hein. Il est si prestigieux. Je parle trop mal du boss. La 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 la. Non, le gadget. OMG, OMG, le gadget qui suit pas quoi. Envie de péter un boulon. Ouais mais le gadget il suit pas quoi. Condensateur, convertisseur de ressources. J'aime bien le condensateur quand même hein. En fait ce qui est stylé avec le condensateur c'est la surcharge automatique, ça donne trop envie ça. 12 balles, ça va partir sur une lourde lame. Je l'ai pas one shot là. Mais c'est qu'ils sont deux en plus. Oh mais c'est bon non. J'ai pris si cher pour rien quoi. Par ce heal. On a fait un combat pourri, mais j'ai pas l'habitude de jouer le dôme épée comme ça, donc... Normal. Oui. De ouf, ça. Ça va jusqu'où, comme ça? C'est si grand ici.
J'en ramène un peu à la maison quand même. En fait, moi, j'ai envie de la surcharge très vite. Mais pour ça, il faut savoir à quoi sert la surcharge sur l'arbre. Où est-ce qu'on peut surcharger ? Surcharge du verger, vitesse de croissance des fruits. Utiliser de l'eau pour surcharger, ce qui lui permet de produire des fruits plus rapidement. Ensuite, ça part sur quoi ? Les effets des fruits durent plus longtemps lorsque le verger était surchargé. Ok. Et sinon, la compétence la plus forte, génère un bouclier protégeant le dôme contre les projectiles. Activer cette capacité au combat pour faire pousser des racines autour du dôme qui piègent les ennemis de taille moyenne marchant dessus. Oui, ça c'est trop bien ça. Sinon, couche de bouclier, durée de la capacité 10 secondes, puissance 50 points de vie. Et après tu peux faire en sorte que si ton bouclier, enfin si ton verger était surchargé, tu regagnes un bouclier, durée de la capacité 16 secondes. Oui, la surcharge de l'arbre est moins forte que d'autres, hein. C'est validé. Hein. On va jouer les racines, hein. Les racines c'est un peu une valeur sûre en vrai. Putain, j'ai pas assez OMG. Il faudrait le bouclier aussi. Ramène un peu des golds là. OMG, j'ai plus rien. Mais en fait, mon ascenseur a tout ramené là. Mais c'est giga sage. Je m'attendais tellement à mieux. J'essaie des golds à droite, ouais, je sais bien, mais j'ai même des golds à creuser à gauche et tout, hein, de mémoire. Mais... Oh, je vais pas péter les plombs! Bon bah allons chercher tout ça hein. Peut-être dû prendre de la vitesse moi. J'ai pas laissé des golds par là aussi à balle, oui ça. Poc 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 poc. Mais je vais rien trouver de plus ici hein. S'il y avait un filon de gold, à mon avis il n'y en aura pas un deuxième. Hein. Tu sais la Miftech. Merci Boris pour les 71 mois de sub. Hein. Merci Zaledan aussi. Donne-moi ça. La fin de l'abondance. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Cette phase de l'infini. Cette phase de l'infini, mais qui est bientôt finie. Parce que j'ai officiellement tous les succès si je réussis à faire ce que je veux dans cette run. Hein. La phase de l'infini, mais terminée, quoi. Et je vais essayer d'aller mettre tout ça là-bas, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'arrive à tout mettre, ce serait cool, mais c'est pas dit. Donc en fait, la droite est beaucoup plus chiante à explorer. Hop là. C'est trop lourd. Il me faut de la capacité de transport, il me faut de la vitesse, il me faut quelque chose là. Du you. J'ai 10 de flotte là, vraiment. J'ai vraiment 10 de flotte quoi, c'est la vérité. On va prendre les points de vie, tiens. Putain! Je voulais le dodge ce fumier! Bien. Et Wanda. Mange ton frulos là. Il faut ramener les golds hein, s'il vous plaît. Mon petit ascenseur là. Ça sera pas grand chose que j'aille aussi vite. Oh oui. Aussi bas parce que mon ascenseur du coup il va galérer après à remonter.
pense qu'on va pas en retrouver très vite vers la droite, donc on va partir par là un peu tant que j'ai le fruit. Et après on va les creuser dans le bleu. J'ai plus le fruit l'os là. Allez, avançons. Genre par là, j'ai pas fini de creuser normalement. Là. En plus, il y a de l'eau que j'ai pas ramené. Let's go. Même s'il y avait du filon gold. Ouf, ouais, mais en fait, il y en a d'autres. Poc, poc, poc. Putain, mais j'ai chié dans la colle là. C'est pas opti ça. Vite! Non, 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 non. 20-10. Dégâts des coups de taille 40, vitesse des coups des stocks moins 10%, vitesse de épée moins 0,25. La fameuse lourde lame. Le problème de la lourde lame, c'est qu'au début, ça booste tes coups des stocks et après, ça le fait plus, tu vois. Après, ça te met juste dedans, quoi. C'est grand bâtard. Puissance de creusage, sinon. Hein. Puissance de creusage plus ça. Histoire de progresser plus facilement dans les couloirs du temps, là. Ça va, la vague aérienne de l'enfer, là? Parce que les racines sur eux, ça sert à rien. Mais par contre, tu peux les one-shot, ok. Les stocks infinis. C'est la première fois que je joue ça. Enfin, c'est pas la première fois que je le joue. La première fois que je l'ai joué, j'ai perdu. Mais c'est la première fois que, genre, vraiment, j'essaye de faire une run avec. Pas trop quoi en penser, honnêtement. Il va y avoir des petits golds, c'est sûr. Hein. S'il te plaît. Voilà. Merci. C'est dur à creuser. Oh là là, c'est dur. Non, tombe pas. Moi tout ça. Tout ça, c'est à moi. Dans la reine, j'ai pas infini. Au bout d'un moment, ça revient automatiquement. Parfait, ça. Toujours plus d'eau. Le fruit est prêt pour juste après. J'ai plus de quoi me... Putain. Augmenter la vitesse du perso peut être intéressante, mais j'ai toujours pas de bouclier non plus. La taille du bouclier de garde. Vitesse des projectiles, c'est très marrant ça. J'ai 12 de flotte, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas clair, mais j'ai 12 de flotte. Ouais. On est content. On a enfin du bouclier par contre, ça va m'aider ça aussi. Mais c'est full goudronneux là, dégueulasse là. Non! Putain! Mais c'est tellement moins fort que l'autre estoc en vrai. Le problème c'est que c'est surtout j'ai une compétence là mais qui ne me sert à rien en fait. On a fait plein de démos, enfin vraiment, on a fait plein de démos, on a fait deux démos avant.
Et là, on fait la fin de nos succès sur Domekeeper. Nice. It was time. J'aimerais bien trouver un fruit, par contre, pour la vitesse. Même pas de petits gold, là. Même pas. Mais super. Voilà. Oh oui. Oh que oui. Quel galérien, j'en peux plus. Ce que je viens de trouver, c'est un téléporteur extraterrestre. C'est très très bien. Genre tu vois, si la prochaine fois je veux recommencer ma vague ici, hop. J'aurais juste à appuyer sur Y et je reviendrai directement là. Ah, il faut se casser monsieur là. On est très loin en plus. Dis donc, l'ascenseur il ramène vite fait quand même hein. Il s'agirait peut-être de se bouger le cul quoi, comme qui dirait. L'ascenseur, peut-être que je vais lui dire de... Ah, c'est chaud. Les orbes transportent 4 ressources. Ça coûte cher, hein. Mais bon. Pourquoi pas. Ah ça par contre les plantes ça va one shot cette merde là. C'est non. Hop. Avant que je passe pour un connard. Ah parce que je passe pour un connard. C'est pas ce que vous avez dit. Bon, au moins on aura visité le coin, quoi. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Bon, au moins c'est bien. Les galeries sont bien faites, là. Ça fait plaise. Là, les murs sont trop énervés. Hein. Ils sont trop énervés, les murs. Hein. C'est marrant, ça continue sur les côtés comme ça, là. Enfin, ça veut dire qu'il y a des ressources, c'est obligé, non? Bizarre. Il me faut de la capacité de creusage, là, c'est trop. Ça met trop de temps. J'ai eu le succès, toucher le fond, oui. On est one off en termes de succès, là, il m'en reste qu'un. Moitié prix, c'est pas possible. Oula. Ouais, bah plus tard. J'ai pas ce qu'il faut là. Zoom zoom. Merci XROLIMTI pour le Prime, des bisous. Attention à mon bouc qui repousse. J'sais pas de quoi parler. 17-13. 17, on a autant envie d'aller chercher la bombe des stocks, dégâts de la bombe 30, extension de la réutilisation. Projectiles énergétiques sont explosifs, ça on s'en fout un peu. Ça, il va me le falloir, de toute façon, de remonter plus vite dans le monde charge. À terme. Buff de vitesse de forage. Buff de vitesse des réacteurs dorsaux. Bombe des stocks, ça a l'air rigolo, même. Ah, je vais déjà prendre le bouclier amélioré, là.
Mais putain, mais je suis pas censé genre renvoyer les projectiles. Niquez-vous vraiment, hein. Ils esquivent en fait, ils arrivent à dodge. Je sais pas comment, mais 300% de vitesse de projectile, les mecs ils dodge quoi. Pas du tout envie de péter les plombs quoi. J'irai au TP plus tard, là je sais qu'il y a des trucs dans le coin. Ouais, non, par contre c'est vrai que ma descente là, elle est énervée hein. Ok. Faut que je profite du fruit en fait pour creuser un peu. Ah oui d'accord. Là on vient de trouver deux filons de gold quand même, juste à côté. Hop 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 pam 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 pam. J'arriverai jamais à placer tous les golds dans l'ascenseur, mais bon, si je peux en placer la plupart. Je pourrais peut-être placer tous les golds dans l'ascenseur là, mais derrière, faut bien penser que je dois remonter le gadget aussi si possible. Non, j'y arriverai pas. Too much thune! Merci à Renbald pour les 2 ans, dig dig deep deep, merci Nona la vie pour les 13 mois de prime. Bravo l'addiction, des bisous. Je vais prendre ça, ça. Il faudrait que j'arrive à placer les 4 golds et remonter quand même. Mais le TP, non. Mais putain, mais... Je l'ai pris en dernier, le gadget. Pourquoi il casse les couilles? Allez. Perceval, c'est non. Creuse tout la merde, on rappelle. Creuse tout 8 account. Le creuse tout 8 account ici. Le détestable. Il y a du poulet là. Hein. J'aime pas du tout ces compétences de l'épée, je les trouve vraiment pas bonnes. Hein. C'est tellement moins bien que l'autre option, en vrai. Let's go! C'est tellement juste moins bien, quoi. Non mais là, c'est chaud. Toujours la ressource la plus loin de toi que tu lâches. Moi, je pensais que c'était en fonction de l'ordre dans lequel tu les avais ramassés, mais apparemment, non. Ah mais j'ai essayé de focus à renvoyer les tirs et c'est pareil, c'était pas ouf. On l'a vu juste avant. J'ai fait une vague où j'ai essayé de renvoyer des tirs et ça marchait très très mal. Il reste des golds, ouais, mais je creuse, c'est pas grave. Faut que je fasse mes tunnels, hein. Non, non, non. En tout cas, on va pas trouver de gold par là, je pense, vu qu'il y avait deux filons l'un à côté de l'autre. Poc, 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 poc. Ça régale, mais c'est un seul malheureusement. Arrête de faire chier! Arrête de faire chier! Okay. Oh oui. Ça régale. Enfin, je pouvais pas trouver mieux en vrai.
Oh vas-y, oh va bien te faire foutre l'ascenseur. Voilà. J'aurais dû tout laisser au lieu de grid. Va bien te faire foutre l'ascenseur. On a tout foutu en l'air. Va falloir tout remettre, hein. Va falloir que je remette ça propre, hein. Pas la peine de s'en prendre à l'ascenseur. Bah si, c'est la faute de l'ascenseur, hein. Ça, ce serait pas la mienne, de toute façon, donc... Ah... Ah, mais là, oui. Oh, elles font chier les ressources, hein, vraiment. Pète les couilles, hein. Oui, je vais vite, mais je vais toujours pas assez vite. Mais dans l'ascenseur, là, je vais vite avec fruits plus... fruits plus œufs plus tout. Ok, bon, c'est marrant à voir. Alors, on va se mettre un téléporteur dans le coin, là. Il me reste des ressources à droite, faut que j'aille les chercher. Bon, je pense qu'on a toutes les conditions pour faire le succès, du coup. Faut que j'augmente la vitesse donnée par le fruit. Et à un moment, faudra qu'on prenne fruit plus ça. L'œuf, là. Et si mon fruit est bien boosted, ça va mettre bien. J'ai fini de up la vitesse de base. Non, non, faut que je fasse ça aussi. Mais on va y aller doucement, de toute façon on essaye de gagner la run. Hein. Ah, je pense que le condensateur va me donner un de flotte. Ah non. 15-17. À un moment donné, on va peut-être tester la bombe des stocks, j'en sais rien. Compliqué tout ça. Ah, peut-être que je prenne la surcharge de... La surcharge du verger pour avoir le fruit très souvent. Oui, lol. J'aime quand ça marche. Et la bombe, c'est que sur le premier hit. C'est vraiment à chier, en vrai. C'est bien nul, hein. C'est bien de la merde. Ça touche en zone. Ouais, mais bon, enfin, c'est rare que les ennemis soient aussi paqués. Ça m'a l'air un peu Wixos, en vrai. Un pal anticlimatique, la bombe. Merci Shenzhong pour les 35 mois, je passe vite fait, des bisous, merci. L'arme préférée de Cross 2. Et ça en dit long. Ça en dit long, ouais. Ça touche loin derrière, en vrai, ouais. Moi, je pense que c'est à chier, ouais. Je pense que c'est nul. C'est bien pour tuer les gros scorpions, juste. Ça doit one-shot les gros, je pense. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que tu peux te démerder pour one-shot un scorpion avec ça. Oui. X1, on aurait préféré x2. Hein. Oui. Je dis oui à ce que je suis en train de voir là.
La taille du filon. Mec, creuse tout, ça aurait été 5 cobalt. Oui, 5 à côté, là. 5 filons de cobalt, les uns à côté des autres. Merci, creuse tout. La merde. De toute façon, creuse tout, les gens qui disent « j'aime bien creuse tout », vous êtes des menteurs. Hein. Parce que même MV qui faisait du Domekeeper cet après-midi, il dit « ouais, creuse tout, pourquoi on le déteste, machin ?» 2 minutes après, « mais creuse du con, voyez !» Donc, bon. Arrêtez de mentir, quoi. Par pitié, hein. Treize balles, moi je voulais surcharger mon... Putain, je voulais pas faire ça, mais du coup j'ai pris la vitesse de production de l'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas, à vrai dire. Allez. Bon, vas-y, vous pensez ça one shot lui, là? Bah, pas du tout, en fait. Mais loin de là. Hein. Putain, je vais pas péter les plombs. Oh oui, petit gadget. Creuse tout là. Profiter du frulos, voilà, ça régale, c'est ce qu'on veut voir, c'est les gold. Voilà. Creuse-tout Riot, hein. Vous allez pouvoir Riot tout ce que vous voulez, que Creuse-tout il va rester chez lui, hein. Ouais, y a rien ici, y a rien. Il va rester à la maison. Ramener Creuse-tout à la maison, quoi. Unsub, le mec est pas sub. Non, ça va encore foutre la merde, ça. Attends. Ça va chambouler, ça va jouer au chamboule tout là, non? Non, 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 le gadget de merde! 100% c'est creuse tout ça. Ok, alors. La sonde, oh, la sonde c'est pas ouf en rien. Sonde, on aurait préféré d'un convertisseur de ressources. Bon après on va prendre la sonde quand même, mais... Ça aurait pu être bien meilleur, on va faire ça. Bam bam bam. Les effets du fruit durent plus longtemps. Les effets du fruit durent encore plus longtemps. Buff du vitesse des réacteurs. Prédiction de visée, on s'en fout, je pense. Ah, go. Hein. T'as déjà eu convertisseur plus générateur d'eau? Bah, je crois que oui. Mais je pense que j'ai waste parce qu'à l'époque, je voyais pas le potentiel du truc. Allô les racines? Allô le monde? J'ai mal! C'est parti.
On va prendre les cobalt pour espérer avoir le convertisseur au prochain. Si, je pourrais faire ça. Mais en vrai, à mon avis, là, la run est bien partie pour être gagnée. On n'a pas besoin de setup aussi vénère que sur un mode prestige. Ce qu'on veut, c'est vraiment acheter les compétences qui vont permettre de gagner le dernier achievement. Là. Comme faire de la vitesse. Vitesse de perso, vitesse de donnée par les fruits. La vitesse d'ascenseur, je crois que je l'ai déjà au max, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai mon fruit de dispo, là. On va faire du creusage opti. Genre là, je mets ça là. Je mets le TP, je remonte. Zoom zoom. Je prends la vitesse du personnage. Je prends le fruit, je re-TP. Oh le fruit, ouais. Le fruit, tant que t'augmentes pas la puissance de forage donnée par le fruit, c'est pas non plus fou, quoi. Poc, poc, poc. Bon, allez. Rentrons à la maison. Oh, je vais un peu vite, là, quand même, hein. Ah, j'ai eu le succès. Ça y est, on est 100% succès. Zoom. À fond la caisse. GG well played. On a fini le jeu. Et tu vois, tu peux aller encore plus vite. Parce que du coup, tu peux encore booster de 5, plus de 5. Plus la vitesse ici qui te rebooste de... En vitesse plus 16, plus 18, plus 20. Et re plus 20. C'est même pas le max. Hein. Tu peux encore aller au-dessus. Truc de dingus. Moi, il me faut la puissance de forage là. On peut pas, j'ai pas de moment, je peux pas vous donner de moment, y a plus. On en a plus en septembre, c'est le seum. Pas sûr que tout le monde y croit ce qui vient de se passer. Ça tombe bien, on est en octobre. Hein. Mais vous pensez que c'est reset à minuit? Putain, si c'est reset à minuit, je peux vous donner un moment. Mais on va encore chialer parce qu'on les utilise tous. Bravo Crosstou aussi, ouais. Ouais, bravo. Bravo Crosstou. Palmarès de Crosstou, on a gagné son succès, il y en avait un seul. Voilà. On lui a donné 10 friandises et on est content, quoi. Palmarès de cette merde de Crosstou, quoi. Attends, parce que là, il y a 4 balles qui arrivent. Et les 4 balles, ça va me donner de la force de creusage. Je vous donnerai le moment quand on aura fini la run. Zoom. J'ai pas mis de TP, je vais en mettre une maintenant. Y'a pas de gold, y'a rien, OMG. Bon, c'est possible. Mais... Peut-être pas trop se foutre de ma gueule le radar, non? À force de mal parler de Crosstou, le karma frappe enfin. Je suis venu creuser aux confins du monde et y'a rien, quoi. Ah si, enfin. Hop, 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 hop. Comment une run se finit? Bah là en mode classique faut qu'on trouve la relique et qu'on la ramène à la base. La relique est très très basse dans la map. Elle est quasiment au fond. Je
Je fais de la merde à pas mettre ma TP ici. Là, je suis en mode difficile grande pour ce dernier achievement. J'ai un de flotte qui traîne sur le côté là. Ah, le bruit horrible! Mais met trop de temps à se recharger l'épée, nul! C'est vraiment à chier. Donc là on pourrait balancer des grandes arbalètes dans tout ça, là ce serait fou. Mais non. Au moins j'aurais testé, hein. Je sais que je jouerais pas ça. Hein. Je sais, faudrait vraiment que je sois con. J'ai oublié de reprendre ma sonde comme un connard. Mais c'est que j'ai oublié de prendre le fruit aussi. Non, j'ai pris le fruit par contre. Les achievements sont finis, ouais. Je suis à 40 sur 40 là normalement. Putain, pourtant j'ai pris le forage bien, hein. Let's go. Ah, puis il y a une belle couche, hein. C'est bon. Ah, voilà. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé la fin. What's time, hein. Profite du fruit, hein. Poc 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 poc. Là. On a un en haut. Et la phase Rock Genesia. Il est pas mal Rock Genesia aussi, hein. Il y en a trop, hein. Non, on voulait tester Tiny Rogue ce soir aussi. Il reste un câble par là. T'es mal à strat. Oh, comment c'est opti ça? Hop là, une tour à massage d'une 9. Oh, l'optimisation est grande. Condensateur, un dos, non même pas. 8 balles, je remballe en vrai. Hein. 8 balles, j'ai rien à faire avec 8 balles. Oh, le bruit horrible, le bruit du vent là. Allez! C'est que le début du stream. Voice of Cards? Non, j'ai pas essayé. Ça me dit rien. Le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas joué à ce jeu. J'ai pas retenté en vous l'aurez voulu. Mais honnêtement, le. Oh, putain, j'ai oublié de me mettre un. Chier. J'ai oublié de mettre un TP. Honnêtement, en vous l'aurez voulu, le jeu est assez unfair, on va pas se mentir. Genre, c'est faut tout optimiser, plus avoir de la chance, je pense. Il pourrait mettre un succès, hein, genre essayer de gagner une run en... J'ai déjà tout trouvé ici, qu'est-ce que je fais. Il m'en reste une vers le haut. Genre... Bien vu. C'est bon. C'est le jeu de cartes de Yoko Taro. Hein. Là, on a essayé un jeu de cartes de ouf aujourd'hui. Hein. On a essayé Wild Frost, la démo là, c'est de la folie. Hein.
GG's. Allez Zni, venez me fumer là, j'en ai rien à faire. Maintenant que tu creuses de manière optique, peut-être que ça passe plus. Peut-être, ouais. Il devrait mettre un succès, genre réussir une run en vouloir évoluer. Oh la vague, elle est sale, hein. Papapapéon. Ciao, bye. Succès creusage au petit. Ding, ding, ding. J'ai tout fait. C'est officiel, 40 sur 40, Dome Keeper. Vivement qu'ils rajoutent encore du contenu, des dômes et tout, des succès. Je vous donne un moment, le chat. Normalement, ça fonctionne. Vous n'avez plus de moments immortalisés ce mois-ci. Les moments s'actualisent le 1er octobre. Désolé, on peut pas. Il est minuit, mais c'est pas l'heure de reset. Allô, 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 allô. Je ne peux pas faire de moment. Il n'y aura pas l'espèce de bombe à la fin où la vague finale n'est pas perdable. Hein. La vague finale n'est pas perdable, non, en effet. Au revoir, YouTube. Vivement la prochaine match de Dome Keeper. Bon, après, je promets pas. Hein. Je promets pas, voilà. Peut-être que je referai un prestige à l'occasion, quand même, parce que passer 3 heures à essayer d'opter une run pour faire des scores de ouf, ça donne envie. Mais on a le 40 sur 40, ça fait plaisir. J'en prends une petite capture. Petite capture d'écran, là. Hein.